Un petit peu de retour vers le passé avec Zelos. Bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte cette fois-ci. Ai-je besoin de vous dire de quel jeu on va parler ? The Elder Scrolls 3 Morrowind. Étant donné que moi j'ai découvert la série des Elder Scrolls avec Skyrim, il est donc normal que je m'intéresse un minimum à ce qui s'est passé avant. Et donc, on se retrouve sur Morrowind. Cette vidéo va être très simple. On va charger la partie. C'est une vidéo découverte, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais peut-être baisser mon son, parce que sinon ça va empiétrer sur ma voix. Je ne me souviens plus du mot, donc j'ai fait un freestyle. Oh, puis en plus, vous n'avez pas de chance, je vous prends pile quand il pleut. C'est impeccable. Donc, cette vidéo va être très simple. C'est une vidéo découverte. Si vous voulez, on m'a filé une quête. Là, c'est... On va voir ça, voilà. Je dois faire une faveur à Asphat Antabolis avant qu'il me dise ce que j'ai besoin de savoir. Il faut que je me rende aux ruines Dwemer Argingtand. Si vous arrivez à prononcer ce mot facilement, bravo, je vous tire mon chapeau. Je dois y trouver un petit cube avec motif circulaire, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est on doit se retrouver là-bas, dans les ruines Dwemer d'Arktang. Et on doit trouver un petit objet. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement cette quête là. Alors je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'on mettra une heure, peut-être deux, peut-être 20 minutes. Je ne sais pas du tout. En tout cas, alors comment y aller? Prenez au sud, passez devant le port de l'échassier des marais, d'accord. Traversez les ponts de la rivière. Direction Caldera. Un autre point d'eau avec Molagmar. Prenez à droite et prenez la route montant vers le vieux pont d'Wemer. L'entrée se trouve de l'autre côté, au sud du pont. Bien, donc on va essayer de voir ça. Alors, bon, j'y ai pas joué très longtemps, hein, à ce Morrowind. Pour tout vous dire, si, c'est peut-être une vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde. Pourquoi? Bah parce que si jamais déjà vous connaissez les Elder Scrolls comme moi, autrement dit que avec Skyrim, et bah, honnêtement, je peux vous dire que vous allez en chier si jamais vous vous mettez à jouer à Morrowind. Parce que putain, le retour en arrière, il se fait sentir. C'est quelque chose d'impressionnant. Un truc qui m'avait un petit peu étonné d'ailleurs, c'est regarder l'eau, comment elle est faite. Je trouve honnêtement qu'elle est pas si moche que ça. Hein. Je vois même, à certains moments, je trouve qu'elle est un tout petit peu mieux faite que Skyrim. Mais enfin, je grossis hein, évidemment, je suis sûr qu'à mon avis si on croise des cascades, je pense que Skyrim fout une giga baffe à Morrowind. Mais quand même, hein, je sais pas. Alors on est en 2002, hein, donc on est de retour 11 ans en arrière. Et bah j'ai du mal, hein. Je sais pas vous, mais putain, moi j'ai du mal. J'ai énormément de mal avec ce jeu, que ce soit avec les combats, avec l'interface... Je veux dire, oh là là, c'est là où on voit que Skyrim quand même a été rendu beaucoup plus accessible. Parce que ce Morrowind, putain, j'en chie. Hein. Mais quelque chose de fou. Hein. C'est une plante, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De l'herbe de crèche. Bah vas-y, donne-moi ça. Ça fait toujours ça de prix. Vous voyez que le poids, le système de poids était déjà présent hein, dans Morrowind. L'interface est un tout petit peu plus... Bah, c'est plus rangé en fait, je trouve ça mieux foutu que Skyrim, et en même temps plus bordélique. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai du mal. J'ai du mal, surtout avec cet écran là, qui nous montre un petit peu le tout quoi. C'est l'écran de statut, entre guillemets, ça nous montre nos équipements, enfin voilà, tout ce genre de choses. Avec le pouvoir, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, encore une fois je découvre en même temps que vous là, hein. Mais c'est complexe, hein. C'est vraiment compliqué. Bon, ici on a notre jauge de santé, la jauge de magie évidemment, la jauge d'endurance, qui comme vous le voyez, contrairement à Skyrim, est déjà bien au-dessus de la santé ou de la magie. Notre niveau évidemment, je suis toujours au level 1, hein. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il me faut pour progresser. On a des talents spéciaux du genre athlétisme, armure lourde, un petit peu comme Skyrim. Alors un truc bah, par contre qui n'était pas dans Skyrim, c'est... alors où c'est que c'est? Voilà, c'est ce talent là, le talent de l'athlétisme. Autrement dit, c'est plus on marche, plus on marche si vous voulez, et plus on va augmenter ce talent là.
C'est franchement dommage qu'il n'ait pas laissé ça dans Skyrim, parce que pour le coup, moi je marche énormément, je suis très peu à cheval, j'utilise très peu le système de déplacement rapide. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas dans ce Morrowind. Donc pour le coup, ça m'aurait bien plu, j'aurais été level 99 très très vite. Ici, c'est la carte du monde, comme vous pouvez le voir là. Et c'est là où on voit que c'est assez complexe. Déjà, vous avez toute la tout le monde de Morrowind. Alors tout autour, il me semble que c'est la mer. Ce qui est un petit peu bizarre parce que apparemment, je sais que Skyrim est un pays voisin de Morrowind. Et là, on a vraiment, on est sur une île quoi. Là, pour moi, on est sur l'île de Morrowind. On n'est pas du tout dans le pays, si vous voulez. Bah, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais comme vous pouvez le voir, voilà. La découverte de la map se fait par nous-mêmes. Autrement dit, on n'a aucune indication. Là, par exemple, la quête que je dois faire, là où je dois aller, ce n'est pas du tout, mais pas du tout indiqué. Mais il faut que je cherche moi-même via certaines petites indications qu'on vous donne, que celui qui vous donne la quête vous donne. Enfin voilà quoi, j'arrive à me faire comprendre. Bon, on a quand même les points, on va dire les points importants qui sont notés. Comme ici, on a un prêteur sur cage, un tailleur, un armurier, un marchand. On a plusieurs guildes, hein, la guilde des mages et la guilde des guerriers. Moi je suis dessus, je suis dedans, hein. Il y a la guilde des voleurs aussi, il me semble, mais je suis pas, j'ai pas trouvé utile de faire ça. Je sais pas si elle est indiquée. Je crois qu'elle est au sous-sol de la guilde des mages, si ma mémoire est bonne. Alors, ce Skyrim, il m'a quand même surpris plusieurs fois. Ce Morrowind. Notamment, je sais pas si vous avez fait remarquer, mais devant la porte de la ville s'appelle Balmora d'ailleurs. Devant la porte de la ville, je me suis fait attaquer par un dragon. Ça, c'était impressionnant parce que j'étais en train de me balader comme ça. Et puis tout d'un coup, j'entends un vieux bruit. J'ai vu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me retourne, il n'y a rien du tout. J'arrive aux portes de la ville, je me retourne, qu'est-ce qu'il y a? Plein de mods vont venir sur mon Skyrim. Mais j'en ai rien à foutre! Occupe-toi de tes miches! je tourne là, fous-moi la paix! Alors, il me semble que. Voilà, Caldera, c'est par là-bas. Et du coup, je me suis retourné, j'ai regardé en l'air et j'avais un espèce de petit dragon qui est venu m'attaquer. Bon, il a pris cher, mais quand même. Alors, il me semble que c'est par ici. Alors, au niveau de l'ambiance, par contre, ça va peut-être en défriser quelques-uns, mais je trouve que au niveau de l'ambiance, ce Morrowind est bien supérieur à Skyrim. Mais t'as fini de me parler, nom de Dieu ! Qu'il me fait chier, celui-là ! Donc Dark Sindav, je t'emmerde. Tu me gâches ma vidéo. oui, je peux me permettre d'être injurieux avec lui. Vous inquiétez pas, c'est un bon copain. Donc il me semble que c'était par ici, hein, je crois. Pour prendre la montée, on va tomber sur un pont. Je crois, c'est celui-là, voilà. Et apparemment, les ruines d'Wemmer doivent se trouver là-bas. Alors après, le souci... Oula, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah, j'avais bien vu, hein, c'est un ennemi. Ah, d'accord. J'espère qu'il va pas venir me faire chier, en tout cas. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Je sens que ça va me plaire. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oula, c'est un mage, en plus. Ah et, putain, donne-moi... Bute le squelette. Au. Putain, enfoiré. Putain, toi, viens ici. Sale vieux, viens là. Alors, les combats... L'un de vos talents, lame longue, passe à 21. Si tu veux. Mais je veux pas crever, nom de Dieu. Oh putain, les bugs, ça c'est magnifique. Viens ici. Allez, tape-le. Les combats, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est pas du n'importe quoi, mais... Je comprends pas. Regardez, par exemple, là, des fois, je le touche. Des fois, je le touche pas. Et voilà, je suis crevé. Bon, écoutez. J'ai l'impression que je suis pas du tout au bon level. J'ai l'impression que je suis très loin d'être au... D'être à un niveau suffisant pour pouvoir faire cette quête. Mais putain, c'est la quête de début. C'est la deuxième fois que je me fais déglinguer par le premier passant venu. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui, d'ailleurs? Ah, au niveau de la difficulté, putain, ce Morrowind, il envoie, hein, bouquiniste. Non, ce que j'aimerais trouver, c'est un marchand.
J'aimerais trouver un marchand pour pouvoir trouver des objets de soins, si possible, au rasoir et bréchier. Vous savez quoi, on va peut-être aller là-haut, parce que si ça se trouve... Hop là, si ça se trouve, le marchand, il est par là. Je sais pas, on va voir. Les 8 rats, ou les 8 plats, je ne sais pas. Non. Ah, au niveau de la police d'écriture, en tout cas, Morrowind est beaucoup plus immersif. Ça fait plus heroic fantasy que Skyrim, où on avait l'impression de lire un banal texte fait sous Word. Ah, peut-être ici. Ah, quoique, une balance. C'est quoi, c'est un palais de justice. Maison Lalu. Je sais pas ce que c'est. Alors, où est-ce que... Attendez, on va regarder la map. Où est-ce qu'il y a un marchand? Manoir, je m'en fous. Nord de la tour de garde. Manoir du conseil, je m'en fous. Guilde de la Morag Tong, je ne sais pas ce que c'est. Tailleur de renom, je m'en fous. Alchimiste de renom, je m'en fous. Je cherche un magasin, s'il vous plaît. Alors, pas un armurier. Alors sinon, ça se fait exactement de la même, entre guillemets, de la même façon que Skyrim. Je dis bien entre guillemets, ah voilà, le marchand il est là. Donc moi je suis où? Je suis là-bas. D'ailleurs, mais il est sur la place principale, putain, mais je suis con. C'est par ici. Et donc ça se fait un petit peu de la même chose que Skyrim. Ou du moins c'est Skyrim qui fait la même chose que Morrowind. C'est au niveau des marchands, c'est autrement dit, tel marchand a tant d'or... sur lui, vous ne pouvez pas lui vendre tout et n'importe quoi. Autrement dit, les armuriers, par exemple, vous allez pouvoir lui vendre des armures ou des armes. Alors ici, non, c'est... Ah si, voilà, le marchand est là. Bonjour. Alors les temps de chargement sont un petit peu plus longs, c'est Fraps hein, qui m'emmerde. Je n'ai rien à vous dire. Mais ça tombe bien, moi non plus, j'ai rien à te dire. Ah oui, vous voyez là? Le vol est pris en compte hein, dans ce jeu. C'est autrement dit, si jamais je pique un truc et qu'il me voit, je me fais déglinguer. D'autant que j'avais essayé, c'était impressionnant parce que... Vous voyez ici, l'établi, il est tout vide parce que j'ai tout piqué. Étant donné qu'il me voit pas, il voit pas que je vole. Regardez, on va faire ça. Hop là, j'ai pris un gant. Et voilà, il s'en fout, il m'a pas vu. Mais par contre, j'ai tout piqué là. Et pour rigoler, j'ai fait le test. Allez, on va piquer ce bout de papier. Et j'ai piqué le bout de papier et pour le coup, il m'a one-shot. Alors, bonjour monsieur, pourquoi vous êtes ici? Vous voulez acheter une arme d'Aedric? Non, pas du tout. Non, pas du tout, toi t'es un marchand. Tout ce que je veux, c'est des potions de vie, si jamais t'en as. Vert jaune, je m'en fous. Ouh là là, mais il a des belles choses, lui. Dard en acier... Lame courte à une main, c'est ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Tantôt fait long, qu'est-ce que c'est? Alors toutes les armes ont une jauge de vie, entre guillemets, une jauge d'usure. C'est-à-dire plus vous utilisez votre arme, et plus... comment dire? Bah, plus vous utilisez votre arme, et plus elle va s'user, et au final elle va se casser, et vous devrez en prendre une autre. Mais non, moi ce que je veux, mon coco, c'est un truc pour me remettre de la vie. Parce que tu vas pas me dire que pour me remettre de la vie... Oh putain. Tu vas pas me dire que pour me remettre de la vie, il faut uniquement que je dorme. Parce que là, ça va pas le faire, là. Putain, la musique, elle est épique. Vous savez quoi? À un moment, j'essaierai de vous faire... je vous ferai écouter un tout petit peu la musique. Vous verrez, c'est magnifique. Quand je vous dis que l'ambiance est merveilleuse dans ce jeu, c'est pas rien, hein. Mais à part ça, des pots en verre, tissu et tout ça, j'en ai rien à foutre. Donc toi, t'as pas de potion. Amulette ordinaire, je m'en fous. Anneau de qualité, je m'en fous. D'accord, donc toi, tu m'offres que dalle. Bouteille, bougie, tunique, mais je m'en fous. Ouais, donc toi, t'as que dalle. Allez, salut. Non, l'arme d'Aedric va te faire foutre. Vous êtes un nul, monsieur. Sale minou. Méchant minou. je deviens fou. Du tissu. Oh là 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 là. Putain, mais écoutez-moi ça, quoi. Bon, bref, il faut que je trouve un moyen de me soigner. Est-ce que les mages pourraient m'apprendre des sorts de soins? Ça, je sais pas. Parce que au niveau de magie, je crois que j'ai que dalle. Hein. En termes de magie, voilà, j'ai juste un anneau de guérison. Déclenchement sur décision. Regain de points de santé. Ah merde, alors comment on fait pour utiliser ça? Déclenchement sur décision. Alors là, je...
Alors je l'ai équipé ce machin, hein. Ouais, voilà. Je l'ai équipé, mais par contre je sais pas l'utiliser. C'est génial. Bouclier de cuir. Ah bah voilà. Ah, ça va aller mieux là. Ça va aller bien mieux, putain. Alors déjà, j'ai une meilleure armure, ça c'est fait. J'ai strictement rien pour me redonner de la vie. C'est quand même dingue ça. Bon, enfin bon, on va réessayer. Hein. Veuillez m'excuser si ça se trouve, ça va être une vidéo complètement fail. Mais au moins, ça vous permettra de voir ce que donne ce jeu. Évidemment, vous verrez pas beaucoup de choses. Alors par contre, il faut que j'apprenne à utiliser le bouclier. Comment je fais pour parer? Comment je fais pour parer? Alors, ça va être magnifique. Alors, option. Montre-moi les contrôles. Comment je fais pour parer? Préparer une arme, F. Préparer un sort, R. Courir, sauter, arme suivante, sort précédent, je m'en fous. Pour parer, putain, comment on fait pour parer? Menu rapide, raccourci clavier, mais j'en ai rien à foutre! Putain, comment on fait pour parer, nom de Dieu? Discrétion, oui, ça je sais. Préparer arme, préparer sort. Utiliser. Ouais. Gauche, droite, QB, oui, ça c'est les contrôles. Eh ben, apparemment, il n'y a pas. Pourtant, on a une jauge de parade. Hein. Mais il me met pas. Merde. Autorun, non, je m'en fous. Arme suivante, arme présentante. Vue subjective, objectif, je m'en fous. Mode menu, ben, c'est clic droit. Journal, repos, menu rapide et tout. Ben, écoutez, il me dit pas comment. Il me dit pas comment. Merde. Peut-être qu'il part automatiquement, je sais pas. Bah, on va bien voir. Tiens, bah, regardez, le dragon, c'est celui-là, là. Il m'avait bien surpris, lui, d'ailleurs. On va essayer de se dépêcher. Oh là là, c'est le deuxième gars que je croise. Et c'est le deuxième qui me botte le cul. C'est quand même impressionnant. Si ça se trouve, vous savez quoi, là, cette vidéo, ça va être une vidéo complètement fail. On va rien faire du tout. Je vais juste vous montrer à quel point ce jeu est difficile et à quel point je suis une grosse bite. Mais à part ça, si ça se prouve, on va strictement rien faire. Oh là 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 là, c'est quand même grave. Le jeu a l'air quand même ultra difficile. À donner des coups d'épée comme ça. Je sais pas, est-ce que j'ai un talent... est-ce que j'ai un talent de... Ah, précision. Il est plus facile d'utiliser les armes de jet ou de trait que sont l'arc court, l'arc long, l'arbalète, le shuriken ou le couteau de lancer. Ah merde, mais ça a rien à voir avec l'épée, ça. Lame longue. Il permet d'être plus efficace avec les armes, telles que... D'accord. Est-ce que ça, par contre, ça prend en compte la précision? Ça, je sais pas. Il faudra que je vérifie. Et si c'est le cas, en tout cas, il va vite falloir que je fasse du gros leveling. Même si le mot n'existe pas, il me semble. Va falloir que je fasse du level up à fond, parce que là, ça... c'est pas bon. Oui, c'est par là. C'est par là, donc on s'était retrouvé devant le pont. Alors la question, c'est, est-ce que le monsieur méchant, pas beau, il va être là-bas? Ah, là-bas, vous voyez, on a un fort. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Je cours pas hein, pour... range ton épée, toi. Je cours pas pour pouvoir regagner de l'endurance. Voilà, ici, on a un fort. Oula! Oh, regardez le bug sur le fort. À mon avis, ce jeu doit être exemple de bug. Ça doit être un exemple. Parce que exemple bug, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ce qui est complètement con de ma part. Allez, on essaye de repartir. On remet la vue en subjectif. Alors, voyons voir. Putain, mais s'il est encore là, le méchant, comment je vais faire, moi? Attendez, vous savez quoi? Je vais essayer l'un de vos talents, acrobatie. Acrobatie, juste parce que j'ai sauté. Eh bah pourquoi pas. Eh bah écoute, tant mieux, hein, j'ai envie de dire tant mieux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mes shuriken. Prendre. Bah oui, les deux. Ah oui, je prends les deux. Hop là, voilà. À prendre mes shuriken, comme ça on va essayer de le buter de loin, si jamais j'y arrive. Eh ouais, putain, il est encore là, le méchant. Vous savez quoi, ce qu'on va faire. Hop là, échappe. On va faire une petite sauvegarde tranquillou. Voilà, sauvegarde en cours. Merci. Comme ça, si jamais il nous bute, on reprend d'ici, on n'aura pas le chemin à se refaire. Voyons ce que vous savez faire. Et c'est ça, hein, le mec, c'est impressionnant. Elle balance tout. Oh putain, je sais que c'est mal fait. Allez, tiens.
et je l'ai pas eu. Eh merde, je suis à main nue. Mais chier. Dague de fer, non. Épée courte de fer, non. Épée longue de fer, voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est ce qu'il y a de plus puissant, hein. Allez. Putain, mais... mais bordel de queue, il me déglingue ce con. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Attaque déflagration. Viens ici. Viens ici. Foiré. Oh là là, ça bug, hein. Lame longue, passe à 21. Oh là 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 là. Viens ici. Tiens, putain, je l'ai raté. Oh, ça bug à mort. Eh merde, je lui ai envoyé, je lui ai enlevé la moitié de la vie. Oh, ça va être loup. Oh, ça va être chiant. Allez, on va... Je galère sur un mec. Ah, ah. Oh, cette blague. Je galère sur un pauvre petit vieillard. Tiens. Tiens. Putain, mais je l'ai pas eu. Comment ça se fait? Comment ça se fait que je ne touche pas? Je sais que la précision, ça importe, mais quand même. Allez, on est reparti. Le squelette, on s'en fout. On va attaquer le vieillard. Parce que si c'est lui qui invoque... Allez, viens ici. Ça le lâche. Je te déglinguerai. Je t'aurai. Je t'aurai, j'en ai rien à foutre. Moi je te déglingue. Casse-toi le squelette, occupe-toi de tes niches. Viens là, sale vieillard moisi. Allez. Oh les combats. Oh c'est du lolidol. Allez, sale vieillard pourri. Oh mais putain, c'est dingue ça. Oh le fiasco. Oh le fiasco. Mais c'est pas possible. Putain. Bon, est-ce que j'ai un autre endroit pour passer? Est-ce que ça je peux y accéder? Ah, on peut pas y aller? Oh merde. Mais est-ce que ça je peux y accéder par là-bas? Je sais pas du tout. Bon allez, on réessaye une toute dernière fois. Je me fais botter le cul une dernière fois. Puis après, si jamais ça marche pas, bah écoutez, je peux rien. Tango en acier. Lame courte à une main. On va peut-être essayer ça, peut-être, non? Qu'est-ce que c'est? Ah, j'aurais peut-être plus de précision avec ça. Ouais, j'aurais plus de précision. Allez, on repart à l'assaut. Oh, par contre, la jauge d'usure... Elle est... La jauge d'usure est déjà bien bouffie. Allez. Saloperie de vieillard. Oh la vache, je me fais encore plus déglinguer. Pourquoi j'arrive pas à le toucher? Ce blague. Putain. Épée longue en fer. Voilà. Sale vieux con. Sale vieillard complètement sénile. Alors, faut que je trouve un moyen. C'est pas possible. Hey, mais pourquoi il me touche? Oh, va te faire enculer. Oh, mais putain, le fiasco. Eh, je m'en fous, je mettrai la vidéo quand même. Mais m'excusez, elle sera pas intéressante la vidéo, mais je m'en fous. Au moins, ça fera rire certaines personnes. Ah. Oh putain. Atténuation personnalité, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peut-être un truc... Où trouviez Caius que... Je m'en fous de ça. Alors, un casque de fer, valeur d'armure 11, et moi j'ai un casque d'acier 17. Ouais, mais j'ai tout de mieux, là, pour le coup. Tout ce que j'ai, là, ça sert à rien. Donc, magie. Mais... Oh là 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 là. Je crois que j'ai l'impression que je vous ai fait... Je vais vous faire une vidéo de merde. Mais c'est impressionnant, quoi. Bon, au moins, ça vous montrera à quel point le jeu est difficile. Eh, vous savez quoi? Je vais essayer de le tracer. C'est trop facile. Allez, je vais essayer de le tracer. Je vais pas le combattre. Je vais le tracer. Allez, cassos. À certains moments, la meilleure façon de survivre, c'est la fuite. Allez, on se tire. Y'a quoi ici? Y'a quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être ça. Je vois un gros tuyau. À mon avis, c'est ça. Aïe! Putain. Voilà. Allez. Aïe! Tu m'auras pas! Ah! Fuyez. Mais quel enculé!
Ah mais non, mais c'est... Ah mais qu'est-ce que tu veux, saloperie? Et il y a le vieux en plus qui me poursuit. Mais... Oh merde, rentre là-dedans, rentre... Mais pas chier. Hey, c'est le bordel. C'est le bordel, on comprend que dalle. Qu'est-ce que tu fais? Eh, va te faire enculer. Oh putain, oh j'en pleure tellement c'est rigolo. Oh, il me faut un coup de coca, allez. Ah, oh putain, oh celle-là ce serait bon pour un bêtisier, tiens. Oh allez. Oui, je sais faire, mais pas grand-chose au final. Oh, je l'ai eu. Je l'ai touché avec un shuriken. Allez, cassos, cassos. Putain, il y a l'autre saloperie qui me poursuit. Je vais me faire toucher je ne sais combien de fois. Tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Allez, avance, dépêche-toi. Alors, j'ai compris comment ça se faisait. Allez, dépêche-toi, active-moi ça. Voilà, il faut que je reste dedans. Allez, c'est bon, je suis rentré. Oh. Oh putain. une torche. 7 torches. Non, non, on va prendre qu'une seule, ça suffit. Allez hop là. Bien. Non, c'est bon. C'est bon, fermé. Hop là. Alors, on va se rééquiper. Oh putain. Eh, ça va être rigolo. Hein. Ça va être rigolo. Je sens que c'est... Attention. Donc, mon épée. Et c'est longue de fer. Merci. Voilà. Est-ce que je suis au bon endroit au moins? Région de Molag. Oui, acte 1, salle centrifuge. Je suis au bon endroit. Bien. C'est déjà ça. On va sauvegarder. Allez. Zelos. Allons-y. Ah putain, mais si je me retrouve, vous savez, avec des araignées Dwemer et tout ça, ce genre de saloperie là, je vais souffrir. Je vais souffrir à un point, mais. Puis au moins, vous savez quoi, ça me permet de voir ce que vaut les ruines de Morrowind. Sans faire de mauvaises rimes. Mais non, mais encore un. Qu'est-ce que vous avez? Bon, allez. Allez, on le déglingue, celui-là, hein. Allez, viens ici. Oh, vous avez vu, ça touche 3 fois sur 4. Non, ça touche une fois sur 4. Allez, tape-le, putain. Lui, il me touche à 100%. Et merde, il y en a encore un autre. Saloperie. Putain, je t'enchaîne, moi. Mais t'es qui, toi? Occupe-toi de tes miches. Je m'occupe de ton copain, le Breton. Allez, tape-le. Il s'est foutu de vent, cet abruti. Putain, toi, crève ou tombe. Fais quelque chose. Mais... Aïe, 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 aïe. Voilà. Oh, sur le bruit. Combat sans armure. Mais si, j'ai une armure. Tiens. Tiens. C'est n'importe quoi. C'est ultra... Quand je vous ai dit que le retour en arrière, il faisait peur. C'est pas sans fondement, hein. Allez, un au moins. Putain, j'ai presque plus de vie. Lui non plus, ça tombe bien. Allez, descends-le. Allez. Putain. Oh, j'ai paré. Il part automatiquement. Il part automatiquement, ou alors je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh là là. Ah, vous avez vu, c'est pas pour vous, hein, je pense. Oh, faut être motivé. Qu'est-ce que t'as sur toi? Une dague en acier, je prends. Qu'est-ce que c'est? De l'or, à moi. Voilà, hop. Qu'est-ce que c'est? Tunique ordinaire, j'en ai rien à foutre. Tu es un pauvre. Foiré. Tiens. Toi, qu'est-ce que tu as? Pareil. De l'or. Oui, on prend tout. C'est pour moi. Voilà. Oh la vache! Et encore une fois, j'ai rien pour me soigner. J'espère que je vais trouver des petits objets et tout. Attendez, on va sauvegarder. Voilà. Ou quoique non. Non, non, on va pas sauvegarder parce que si c'est un coup. Si c'est un coup, je reste bloqué, ça va pas le faire. Alors. Alors, par là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a par ici?
Ah, il y a une potion là. Une potion de soin. Flynn, qu'est-ce que c'est? Poids, valeur, fortifié, volonté, plus 20 points pendant 60 secondes. D'accord, m'en fous. De l'or dans la caisse. Alors j'ai remarqué qu'on pouvait fouiller un petit peu partout. Hein. Oh là 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 là, je te jure. Bon, j'espère qu'au moins il n'y a plus personne pour l'instant. Qu'on me laisse tranquille un petit moment. Là on entend le crépitement du feu. Hein, c'est... Il y a quand même un minimum de détails sonores. Hein. C'est assez marrant. Par contre j'entends un... Je sais pas si c'est un bug. Porte Dwenner en acier et en fer. Salle de la cloche des lamentations. Non, on va pas y aller pour l'instant. Moi je veux regarder. Par contre j'ai l'impression qu'au niveau des interactions c'est quand même ultra minime. Bon, en même temps on est sur Morrowind, j'avais certainement pas demandé une physique, enfin un moteur physique complètement what the fuck. Hein. Ce qui est normal. Eh ben, oh putain, je suis bloqué. Ah, allez, voilà. Je vais juste regarder ce qu'il y a par ici. Une table, un poêle sans feu, du papier, j'en veux pas. Qu'est-ce que c'est? Une lance Dwemer. Ah, valeur 300? Oula, je prends. Hop là, à moi. Meuble Dwemer rouillé, qu'y a-t-il dedans? Une dent d'engrenage Dwemer, une pièce Dwemer. Ouais, non, j'en veux pas. Qu'est-ce qu'y a-t-il là-dedans? Alors, cellule de la maison creuse. D'accord. Par contre, encore une fois, on me dit pas du tout où est-ce que je dois aller. Hein. Athlétisme passe à 8, merci. Bien, ça passe à 8, donc c'est nickel. On va essayer de se dépêcher un petit peu. On va essayer d'aller là-bas, j'ai vu que ça descendait. Il y avait un endroit où ça descendait, voilà. La musique ne change pas apparemment quand on est dans les ruines. C'est tant mieux parce que étant donné que c'est un truc que j'apprécie moi. Avec les écritures d'Wemmer et tout ça. C'est... Bon, évidemment c'est quand même assez... c'est ultra simpliste hein, mais c'est... Vous n'auriez pas dû choisir... Encore un méchant. Aïe. Je vais crever. Non. Putain, si j'arrive à le tuer, je suis un dieu. Mais t'as bleu, nom de Dieu! Non, on mourra pas! Putain, moi je te délingue! Mais toi, tu. Ah, fais chier! Re! Alors, veuillez m'excuser! Le jeu a planté. Mais bon, vous inquiétez pas, ça fait à peine 5 minutes qu'on s'est quitté. Mais de toute façon, on va se requitter dans pas longtemps, je pense, parce que. Bah, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour vous montrer à quel point ce jeu est compliqué. Et qu'à mon avis, je vais avoir besoin de courage pour pouvoir y aller. Vous savez quoi? Je vais essayer de me faire repérer par un seul Gugus. Allez, viens ici, toi. Eh merde, les deux m'ont vu. Ah, putain! Bon, vous savez quoi? Si jamais j'y arrive pas à tuer ces deux-là, on va s'arrêter. Mais ça tombe bien, il y en a un qui a complètement bugué. Le deuxième aussi. Eh merde! Ah, apparemment, on a pas mal. T'as raison, bug. Oh merde! Oh putain, il s'est énervé. Foiré. Espèce de salopio. M'aura pas. Moi je te déglingue. Putain, foiré. L'autre il bug derrière, c'est parfait. Continue de bugger, c'est impeccable. Allez, descends-le. Putain. Voilà, il est mort. Impeccable. Ouais, voyons ce que toi tu sais faire. Allez, allez, alors. Et à l'envoi, je touche, moi, monsieur. Voilà. Bande de fumier. Ah, j'ai mieux combattu que tout à l'heure. Ah, peut-être que quand on augmente la lame, apparemment, on a un petit peu plus de précision. Donc on va réessayer de se refaire l'autre pecno qui était là-bas. Cet enfoiré qui m'a botté le cul. Mais que j'ai quand même, je lui ai quand même enlevé la moitié de sa vie. Avec ne serait-ce que 20 points de vie, hein, donc c'est parfait. Mais il va vite falloir que je trouve un moyen de me redonner de la vie, parce que là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Ah, mais attendez! La force. Hein? Tu prends ça, voilà. Et juste avant d'aller combattre ce monsieur, qui se trouve un peu plus bas, voilà, la potion.
Hop là. Hop là, parfait. Waouh, magnifique effet. Allez, à l'assaut. Ma force va beaucoup mieux, je me sens revivre. À l'assaut, monsieur. Je vais vous déglinguer. Ah, putain, mais j'ai l'impression que c'est comme FF, quoi. Les combats, c'est tout du hasard. C'est tout du hasard. Des fois, tu touches, des fois, tu touches pas. C'est quand même dingue. Je te touche la tête, vise la tête. De toute façon, on s'en fout, y a pas de localisation des dégâts. Allez, assaut. Allez. Déglingue-le. Défonce-le. Il joue à Skyrim, mon pote. Je m'en fous. Encore le même, hein. Allez, mais bute-le, nom de Dieu. Oh, j'ai failli me faire défoncer, là. Oh, ventre Dieu. Ah, oh, c'est quelque chose, hein, les... Putain. Les combats dans Morrowind, c'est quelque chose, hein. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a une table là-bas. J'aimerais bien être tout seul cette fois-ci. Cellule de la main creuse. Ouais, j'aimerais bien être tout seul cette fois-ci et pas harcelé par des gens que je ne connais pas et qui veulent me trancher la tête. Histoire de changer. Je sais pas ce que c'est ce machin là. Enfin bon. Tonnelet en acier. Tonneau en acier. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis bloqué. C'est quoi ici? Salle de la cloche des lamentations. Allez, on va y faire un petit tour. Oh putain, il y a quelqu'un là-bas. Discrétion. En mode discrétion. Est-ce qu'il y a une différence d'animation? Oula. Tac, 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 tac. Une frame, hein. Attention, hein. Ça va pas plus haut. Allez, on va essayer de pas se faire repérer. Ah ouais, mais je crois qu'il y a que... Attendez, mais là c'est... Oh mais d'accord, il me repère à 3 km. Ou du moins elle me repère, car c'est une femelle. Oh, je vais me faire botter le cul par une femelle. Non, non. Je vais me faire tuer par une femme. T'as chier. Je suis sexiste. Fous-moi le camp. Je suis un macho, je déteste les femmes et va te faire foutre. Voilà, je deviens pédé. À partir de maintenant, je suis homo. N'importe quoi. Ah oui, fail to. Je sais pas ce que c'est ça, si jamais vous pouvez me le dire. Fail to l'autre, je sais pas quoi. Oh, faut recommencer. Bon bah allez, vous savez quoi, on va se quitter là. Donc c'était une petite découverte de Morrowind. Putain, je vais en chier hein, pour jouer à ce jeu. Bon, j'espère que mine de rien, ça vous aura fait rigoler. Parce que là c'était la vidéo la plus fail du monde. Là, c'est... Y a rien au-dessus, quoi. Enfin bon. Donc moi je vous dis ciao à tous, je vais vous laisser peut-être avec quelques minutes de combat, je m'arrêterai quand je mourrai. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde, ciao, bye bye. J'ai l'avantage.